Hello, aujourd'hui on parle Access Bar. Qu'est-ce que c'est l'Access Bar? D'où ça vient? Comment ça se pratique? Et pour cela, j'ai interviewé Cathy, une praticienne en Reiki et Access Bar. C'est parti! Bienvenue sur cette chaîne, je suis Caroline, coach professionnelle certifiée et j'accompagne des femmes qui souhaitent redonner du sens à leur vie. Je les accompagne à révéler leur potentiel et à redevenir la femme qu'elles sont vraiment, la femme de leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien abonnez-vous juste en dessous de la vidéo. À tout de suite. Donc aujourd'hui, j'accueille Cathy. Alors Cathy, il faut que je vous la présente. Cathy, ça fait un an. Elle s'en rappelle plus, mais ça fait à peu près un an que je l'ai contactée. Je la connaissais pas. J'ai voulu connaître Cathy. Merci, Johanna, de me dire que c'est OK. J'ai voulu, en fait, j'ai rencontré Cathy parce que je l'ai contactée au moment où j'ai lancé le blog et où je cherchais à remplir mon défi à la recherche de techniques bien-être. Et donc, j'avais fait toute une liste de techniques à tester, donc pour se sentir mieux, des techniques pour apprendre à gérer son stress. Et donc, dans la liste de toutes les techniques que je voulais tester, il y avait le Reiki, notamment. Et donc, j'avais cherché des praticiens Reiki autour de chez moi. J'avais trouvé, tiens, ça a l'air bien, je vais appeler la personne. Et donc, je contacte, au début, je contacte par mail avant d'appeler pour prévenir de ma démarche. Et je dis, ben voilà, j'ai un blog, je teste plein de techniques. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mon premier article où je dis ce que je vais faire et ce que je compte faire comme tester comme technique. Et puis, ben voilà, on est rentré en relation par téléphone. Et là, Cathy me dit, oh, mais ça, il faut prendre soin de vous. Vous voulez tester toutes ces techniques? C'est ça, C'est hein? vrai, ouais. Mais c'est fou, je suis pas sûre que vous fassiez du bien à tester toutes Ouais. ces techniques ensemble. Et voilà comment on s'est rencontrés par téléphone. Et c'était juste avant le premier confinement. Donc, ben, on n'a pas pu se rencontrer tout de suite. On a attendu d'être sortis du confinement. Et puis bon, moi, Tout à fait. après, moi, j'étais aussi occupée. Donc voilà, on s'est vus par la suite. Et j'ai pas testé le Reiki. J'ai testé d'autres techniques parce qu'elle avait plein de cordes à son arc, Cathy. Et donc aujourd'hui, justement, je voulais qu'on en parle parce que moi, j'ai testé des techniques bien-être, des techniques anti-stress. Mais au-delà de ça, Cathy a fait aussi des choses qui vont bien au-delà de l'anti-stress et au-delà du bien-être. Donc voilà, je vais la laisser se présenter et présenter ce qu'elle fait. Merci Caroline. Donc voilà, qui je suis? Ben, je suis Cathy Couderas, la Bientitude, où j'exerce principalement ben, à Marcoussis, puisqu'il fut un temps, je pouvais me déplacer en entreprise, mais vu la conjoncture actuelle, c'est un petit peu plus délicat. Donc j'ai la possibilité d'avoir un petit espace chez moi où je peux recevoir les personnes. Alors, ce que je fais, eh bien, je suis praticienne de massage Hama Assi, donc vous connaissez certainement, c'est sur des chaises ergonomiques où on intervient essentiellement sur du physique. Ça, c'est toute ma partie que j'appelle de bien-être. Ma partie bien-être, c'est donc essentiellement sur du reboost énergétique et physique. Donc le hama assis, il y a la grande sœur hein, ou le grand frère qui s'appelle le hama allongé, où là c'est le bonheur parce qu'on intervient de la racine des cheveux jusqu'aux ongles des doigts de pied sur toute la partie du dos et puis toute la partie face. Ça me donne envie, J'anime. ça. J'ai pas encore testé, mais Il y a également, j'anime des ateliers de doin. Alors, le doin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le doin, c'est de l'automassage. Donc, j'apprends aux gens à être complètement autonomes sur des gestes hein, qu'ils peuvent faire au quotidien pour rebooster leur énergie dès le matin ou au fil de la journée, puisqu'on peut effectuer du doin sur un lieu de travail, chez soi ou à n'importe quel moment, comme je le disais, de la journée. Donc ça, c'est les parties physiques. J'ai un petit dernier qui s'appelle le soin Shinsu. Alors le soin Shinsu, l'expérience Kanza, Caroline, elle a testé. Testé. Alors là, pour une fois, j'interviens pas directement avec mes outils de travail qui sont mes mains. Je suis accompagnée d'une baguette. Alors, ça ressemble plus à un pilon qu'une baguette. C'est un petit outil qui est en bois avec une tête qui est en full bronze. C'est un alliage parfait. C'est le métal guérisseur.
pour ça que ça s'appelle comme ça. Et là, j'interviens sur le visage et sur le dos. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance et la joie et le bonheur de pouvoir m'occuper d'une jeune future maman. Et le bébé, il était aux extases puisque je suis intervenue sur son ventre. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Voilà, on peut s'occuper aussi des mamans et par le biais de cet outil des bébés. Donc ça, c'est ma partie bien-être et ma partie mieux-être. Alors, ce que j'appelle le mieux-être, c'est quand vous avez envie d'aller plus loin dans votre démarche. Là, on n'est plus dans l'énergie pure, on est plutôt dans l'émotionnel. Et je travaille avec la méthode Access Consciousness, donc en activant les barres, donc Access Bar, et le Reiki, où je suis Reiki depuis maintenant 18 ans. Voilà. D'accord. J'ai tout dit. T'as tout dit. Alors, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéressait de discuter, c'était sur les blocages émotionnels. Et donc, on va surtout parler Access Bar. Tout ça. Fait. Mais est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le Reiki, déjà? Et qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Parce que quand je t'en avais parlé au départ, c'est ce qui m'intéressait comme technique. Et tu m'as dit, bon, bah, on ne peut pas faire juste une séance Reiki comme ça parce que c'est une vraie... voilà, une vraie, bon, c'est pas une thérapie non plus, mais ça se déroule en plusieurs fois, c'est ça? Oui, alors généralement, je préconise dans l'intégralité de mes soins, je préconise toujours trois soins. C'est bien trois soins, parce que le premier, c'est ce que j'appelle la prise de contact, le deuxième, c'est du nettoyage, et la troisième, c'est plus vraiment le gros nettoyage. Donc, le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est un soin holistique. Et le soin holistique, c'est par la position des mains où je deviens canal. Je prends l'énergie de la terre, je prends l'énergie de l'univers, du ciel, et je deviens canal et tout passe par mes mains. Alors, contrairement à un magnétiseur, le magnétiseur, c'est son énergie qui vous redonne. Là, le Reiki, c'est vraiment l'énergie de la terre et du ciel et qui passe par les mains. Donc, on intervient sur l'intégralité du corps, sur la tête, sur tout ce qui est aussi chakra, le chakra du cœur, le plexus, sur les jambes, parce qu'il y a des ancrages au niveau du bassin, au niveau des genoux. Le genou, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, c'est le je et le nous. Donc là, il y a beaucoup de travail. Hein. Et puis ensuite, on descend sur les pieds, on remonte les énergies et ensuite, on passe... sur le dos, on fait le chemin inverse et on termine par un joli bâton lumineux au niveau de la colonne vertébrale pour vraiment remettre les énergies. Alors, il peut se passer des énergies physiques. On peut avoir, par exemple, si jamais on a des douleurs au niveau du bras, au niveau de l'épaule, il se peut que la douleur s'atténue. Voilà. Mais le Reiki, c'est souvent un soin, je dirais, plus émotionnel. Travailler sur l'émotionnel. Aussi, d'accord. Voilà. Bon, bah écoute, le Reiki, voilà, c'est... C'est que tu viennes tester, hein. Oui, mais voilà, c'est sur plusieurs séances, donc oui, c'est sur plusieurs séances. Voilà, c'est pas juste un test. Voilà. Non, ouais. c'est bien de le faire au moins sur trois séances. Mmh. Voilà, et on les espace, hein. On fait jamais une séance à la suite. D'accord. La seule fois où moi j'interviens à la suite, c'est quand je fais du Reiki à distance. Oui, c'est souvent un temps d'intégration. Vraiment quand on fait des soins à distance comme ça, parce que j'ai la possibilité, j'ai mes degrés pour pouvoir intervenir à distance, on fait vraiment un soin. Et dans ces cas-là, c'est très fort. Et je fais 3 jours de suite. D'accord. Voilà. Et on peut le programmer. On n'est pas obligé, Caroline, de demander à la personne de s'installer à un moment précis de la journée, à un créneau horaire. Si la personne, elle est dans une vie active ou qu'elle est occupée, à ce moment-là, je programme le soin pour qu'il arrive au meilleur moment pour elle. Voilà. Après, les gens aussi me disent, non, Cathy, moi, je préfère prendre voilà, ce moment-là pour moi, dans mon lit ou dans un canapé. À ce moment-là, je demande à être isolée quand même, qu'il n'y ait pas trop de bruit perturbateur à côté. Mais on peut faire ça. En Reiki, on peut faire plein de choses. Voilà, rien à faire la personne. Non, c'est toi qui fais à distance. Je fais. Voilà. Alors là, pour le coup, jamais testé. On fera. Bon, promis, on fera. Reiki, donc à distance. Et alors du coup, les émotions... moi, je voulais qu'on parle des access bars parce que access bar, c'est une technique dont tu m'as parlé,
que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai entendu le mot access bar, moi, je rigolais parce que je croyais que c'était un bar où on avait accès à certains soins. Comme beaucoup, d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout ça. Non. Je regarde s'il y a des questions parce que j'ai pas vu. Alors, bonsoir, il y a Marie qui est là et Sandrine. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes. Donc, access bar, qu'est-ce que c'est? Alors, access bar. Access bar, alors, ça s'écrit A-2-C-E-2-S, donc c'est l'accès, d'accord, et bar, B-A-R-S, où on actionne des barres. Ça vient de la méthode Access Consciousness, et Access Consciousness, ça veut dire accès à la conscience, qui a été, je ne vais pas dire découvert, parce que voilà, on ne découvre pas des choses comme ça, mais qui a été mis en place par Gary Douglas dans les années 90. Où, c'est récent. Oui, c'est récent. Où il a mis en place une cartographie au niveau de la tête. Alors, attendez, parce que je suis en décalé avec… on est à l'envers. Avec, voilà, c'est ça, avec la caméra, on est à l'envers. Donc, voilà, il y a 16 points d'un côté et il y a les mêmes, donc, de l'autre côté. Et ce sont des points où on accède à je ne dirais pas des thèmes, des schémas, mais on accède à la joie, à la communication, au contrôle, à la tristesse, à la communication. Et en fin de compte, en actionnant, je dirais par polarité, donc j'active un côté gauche et mon côté droit, et à ce moment-là, crée un micro-champ magnétique où on vient nettoyer, faire un reset de votre cerveau. Alors, je vous rassure, vous n'avez aucun choc électrique. Un reset du cerveau, ça oui, fait peur. Quoi. Non, parce que en fin de compte, quand nous sommes créés à la base, nous embarquons avec nous des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, bien sûr, c'est ce que vous avez de vos parents, de vos grands-parents, voilà. On a aussi des schémas où on vous inculque des choses, fais pas ci, fais pas ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, ça serait pas bien, arrête de te regarder dans une glace, hein, parce qu'après tu vas te croire pour la princesse de ta vie, etc. Et donc ça, on nous les inculque, hein, et on est forgé. Et au fil des années, au fil de notre vie, ça peut être pesant. Ça peut être émotionnellement pesant, comme il peut y avoir des choses qui ne vous appartiennent pas, comme des joies et des tristesses qui ne vous appartiennent pas, que de vos aïeux. Et puis, vous vous dites, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai un truc là, mais j'ai une tristesse là au fond de moi, mais voilà, c'est pas, je sens que ce n'est pas moi. Et donc, avec cette méthode, l'access bar, on les active puisque j'active des choses dans le conscient. Et vous, à ce moment-là, vous pouvez... j'active dans le conscient et c'est votre inconscient qui travaille, hein, prendre conscience des choses et dire bah oui mais ça ne m'appartient pas. Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez conscientisé, là-haut il y a des déblocages qui se font, des portes qui s'ouvrent, vous déverrouillez vous-même les portes et vous pouvez lâcher des choses. Alors en premier lieu, quand on fait les premières séances comme ça en access bar, j'ai remarqué que les premiers mouvement qui se passe, c'est un gros lâcher prise. Voilà. Ouais. T'as le retour de tes clientes oui. qui te disent ça. Voilà, un gros lâcher prise, ça, c'est être un petit peu moins dans le mental par rapport à des questionnements. Moi, je sais, hein, je suis passée par là, hein, parce que pour pouvoir faire ça, j'ai voulu connaître aussi. Et c'est vrai que j'avais pour habitude d'une situation la décortiquer. Ah, mais une vraie crevette, hein. J'ai enlevé les écailles par écailles. Oui, alors si je mets, tu fais ci, tu vas faire ça, etc. etc. C'est fatigant. C'est usant, c'est fatigant. Mental. Et le mental. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à lâcher prise de ce côté-là, on se rend compte qu'on a enlevé des petites couches et on a envie de travailler sur les couches qui arrivent. Et ça peut être une métamorphose physique. Moi, j'ai vu le cas d'une jeune femme qui est arrivée, alors complètement introvertie. Elle ne parlait pas, elle ne communiquait pas, ni dans son milieu personnel, ni dans son milieu professionnel. Et au bout de quelques séances, elle est arrivée, elle a franchi le pas de la porte, un vrai moulin à paroles.
métamorphosée, jolie comme un cœur. Elle se maquillait, elle prenait soin d'elle, elle était toute jolie, elle était chez le coiffeur, elle avait décidé de prendre un régime, pas de prendre un régime, pardon, de faire un régime. Et quand je vous dis que ça agit aussi sur les mémoires cellulaires, c'est que ses mémoires à elle, le travail qu'elle a fait sur elle, ça interagit sur son fils. Ah oui. Et c'était mais fabuleux. Fabuleux. Elle qui prenait son fils, voilà, son bébé, son chéri, voilà, qui était adolescent, et ben c'était un enfant qui ne grandissait pas. Voilà, il était resté de petite taille. Alors, c'est vrai que par rapport à l'école, c'est compliqué parce que tous ses copains de classe, c'était des ados déjà en pleine croissance, et lui, il n'évoluait pas. Et puis, ben, le jour où sa maman, elle a lâché ce côté-là. On a ouvert la porte. Elle a pris conscience que ce n'était plus son bébé. Elle a déverrouillé. Et bien, son garçon, en quelques mois, il a pris plein de centimètres. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est merveilleux l'Access Bar. Moi, j'adore travailler avec l'Access Bar parce que c'est toujours une jolie pochette surprise. En fin de compte, je suis une caisse à outils. Ce sont mes outils. Je travaille bien sûr sur l'intégralité des schémas. Voilà, donc il se passe des choses. Et en fin de compte, la jolie pochette surprise, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez débloquer ce que vous avez envie de débloquer. Alors, le conscient va travailler, mais c'est surtout l'inconscient. En fait, ce qu'il y a de bien avec l'Access Bar, parce que nous, les émotions, tu vois, quand j'accueille des gens en coaching, il arrive qu'il y ait des émotions qui se présentent, qui soient là. Et donc, on travaille dessus avec la personne. Mais ce travail, il se fait en conscience. Donc ça veut dire que du coup la personne doit nommer ses émotions, doit les chercher, en prendre conscience et on travaille dessus et on fait un vrai travail effectivement qui va aussi aboutir à un changement d'attitude, un changement, la prise de conscience c'est ça, mais un changement dans sa vie. Sauf que là avec effectivement le fait d'agir sur le corps, on peut aussi agir sur des émotions dont on n'avait pas conscience au départ. Tout à fait. Voilà, et ça c'est la grosse différence. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'aller retrouver qu'est-ce qui... Parce que parfois, ce qui est difficile, c'est de mettre des mots. On n'a pas les mots. On ne sait pas si on est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la déprime, tu vois. J'entends. Il y a des choses qui sont difficiles à nommer. Ah, tout à fait. Et c'est pour ça que, l'Access Bar, quand vous venez en séance Access Bar, il ne faut pas venir avec une intention particulière. En disant... Il faut que je résolve ça. Voilà, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. C'est absolument pas comme avec un psy, comme avec toi, avec un coach, vous mettez le point sur quelque chose. Là, on travaille sur l'intégralité. Alors, moi, je sens des choses, je sens des mouvements. Tu sens quand même, ouais. Oui, je sens des choses, je sens des mouvements. Alors, il y a certains praticiens qui vont faire une séance Access Bar et qui ne disent absolument rien à la personne, comme ils me disent, pour ne pas influencer. Moi, je n'influence pas. Je dis que voilà. J'ai travaillé sur tel point et tel point, c'est le côté droit, c'est le côté gauche, j'ai senti des mouvements, j'ai sorti, de temps en temps ça bouge dans mes mains, ça vibre, ça me brûle, ou bien ça gonfle, ça diminue, ça communique, enfin je veux dire ça bouge, c'est en permanence. Et à ce moment-là, les personnes, ça peut être des clés. En fin de compte, quand je livre des choses, ils peuvent, à l'instant T, de dire ah mais ça me parle. Oui, toi je tu sais pas forcément mais moi ce que je sais c'est, rien mais tu sens je que sais rien. Je sais pas au niveau de la communication là tu sens bien qu'il y a un absolument. Truc qui se passe par exemple. C'est vrai que quand une personne arrive aussi en séance on débriefe un petit peu mais je veux pas tout savoir. Je ne le veux pas parce que on pourrait croire que je suis influencée ou quoi que ce soit. Moi je dis comment vous allez, je me sens pas bien, j'ai une tristesse, etc. Mais la tristesse, pas parce que je vais travailler sur le point de la tristesse que la tristesse elle va vibrer dans tous les sens en me disant alerte rouge. Pas du tout. C'est pour ça que je dis que l'Access Bar c'est toujours une jolie pochette surprise parce que même moi de temps en temps je dis c'est la créativité. Alors, si la personne n'est pas du tout créatrice ou créative, me dit, moi, il ne se passe rien. Sauf que la créativité, ce n'est pas forcément ça. Non, mais souvent, elle est étouffée, la créativité. C'est ça, mais ce n'est pas travailler. Ça, je vais en revenir sur les énergies féminines et masculines. La créativité, c'est une énergie féminine. Elle est souvent enfouie sous le mental, sous les obligations, les injonctions. Donc, du coup, on ne se permet pas d'exprimer non plus. Oui, mais sauf qu'en Access Bar, si tu veux, la créativité, il faut le prendre vraiment au sens large. Ça peut être la créativité, c'est créer des événements.
Créer, ça peut être effectivement une page d'écriture, ça peut être du dessin. Moi, j'ai une jeune femme, quand elle est venue, elle m'a dit, après la deuxième séance, elle a repris la plume et elle a recrit les poèmes. Voilà. Alors que la créativité, ce n'était pas vraiment ce qui bougeait à ce moment-là. Mais ça a débloqué. Ça a débloqué. Voilà, donc c'est comme la conscience ou comme le contrôle. Quand je dis vous êtes dans le contrôle, de temps en temps, le contrôle, comme j'ai agi des deux côtés, je sens si c'est le pour contrôle. Moi que tu parles, hein. Non, oui, un peu, hein. Mais quand j'agis par polarité, je sens que ça peut être le contrôle côté droit, d'accord? Donc le côté professionnel, le côté masculin. Alors le côté masculin, c'est ton côté toi aussi, ça peut être ton côté masculin, tu vois, ou ta relation avec le côté masculin. Ça peut être le côté père, le côté fils, le côté mari, tu vois, tout l'homme en général. Donc quand il y a le contrôle qui bouge des deux côtés, c'est vrai que souvent je me dis, bon, il y a un équilibre. Il y en a un qui veut parler, l'autre qui veut défendre. Donc, à ce moment-là, au niveau des émotions, je peux exprimer à la personne en disant que ça bougeait. Mais de l'autre côté, il y a une... ça tempère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, là, il y a équilibre. D'accord. Il y a équilibre. Mais à certains moments, ça peut être même... de remonter émotionnelle. Il y a des gens, ils ont eu des schémas d'enfants, des couleurs. Après, sur la table, on a le droit de s'endormir, ça ne m'empêche pas de travailler. On a le droit de parler, ça c'est un peu plus compliqué pour moi pour parler, mais je laisse faire. On a le droit de pleurer aussi, on a le droit de rire. Voilà, on a le droit de tout lâcher. Ça veut dire combien de temps une séance? Moi, je suis quelqu'un qui travaille, il faut bien compter une heure et demie. Oui. Voilà. C'est bien. Donc, c'est intense. Les gens, ils sortent comment des séances? Plutôt en général les CV ou... Alors, je ne laisse jamais une personne repartir tout de suite. Pour l'avoir vécu, quand on est en séance comme ça, access bar, on descend relativement profond. D'accord? Donc, on peut s'endormir dans un sommeil très, très, très profond, ce qui fait que tout notre corps, il est très, très lourd. Mais quand je dis très, très lourd, certaines fois, on n'arrive même plus à bouger les jambes. Ça, je préviens. Donc, je réveille les corps. C'est pour ça que ça met un peu de temps chez moi, parce que moi, je réveille tous les corps. Je touche vos bras, je touche vos jambes, je touche les pieds, parce que pour l'avoir vécu en séance, personnellement, le fait de plus sentir mes jambes et me laisser repartir comme ça, j'étais vraiment plus du tout dans mes pompes. Mais vraiment dangereux. À côté de mes pompes, j'étais à Paris, et j'ai pris la station de métro dans n'importe quel sens, je marchais vraiment à côté. Donc j'aime bien que les gens repartent, qu'ils soient droits dans leurs chaussures, qu'ils me disent tout va bien. Alors généralement on est assez fatigué après une séance, ouais, on est épuisé parce qu'on est vraiment descendu au niveau de l'énergie, on est descendu bas, le corps descend en température. C'est pour ça que je dis toujours, pensez à prendre un petit lainage ou quelque chose, parce que je serais curieuse, j'ai jamais fait, mais de voir jusqu'à combien on peut descendre en température. Si tu commences à prendre la température des gens, c'est... Non, je ne le fais pas. Ouais, non, mais je le fais pas. Mais moi, je le sens hein, quand vous partez et que vous êtes très, très détendu. Je le sens parce que votre corps, il est différent, réagit différemment. Je prends ta tête. Mais vas-y, prends Jules. C'est Jules. Jules, la tête de voilà. Cathy. En fait, quand on voit tous ces points, bon, il faut apprendre hein, quand même. Donc, il y a... Si on veut choisir son praticien en access bar, à quoi il faut qu'on fasse attention? Parce que j'imagine que si on ne touche pas aux bons endroits ou qu'on intervient plus sur un côté que sur un autre et qu'on ne touche pas les bons points, parce qu'il y a 32 points, il peut y avoir des effets, des dommages, je ne sais pas. Non, pas des dommages, non. Pas des dommages. Si vous n'êtes pas bien placé au niveau des points, je ne suis pas certaine que l'activation se fasse correctement. Ouais. Voilà, donc alors c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant un certain temps avec cette tête. Moi j'ai eu comme formatrice une japonaise, donc il y avait rigueur. Voilà, donc ça j'aime bien. Moi je travaille beaucoup avec les méthodes japonaises. Je l'ai choisie,
Je pense que l'univers me l'avait envoyé. Donc, j'ai choisi ma praticienne parce que je devais contacter une autre personne et ça ne s'est jamais fait. Elle ne m'a jamais répondu. Donc, voilà. Donc là, j'avais contacté Yumi qui est à Paris. Et Yumi, ça s'est fait tout de suite. Et c'est vrai que la formation s'est faite. J'étais privilégiée. J'étais en VIP parce que j'étais toute seule. Donc, ça, c'était top. Oh, ouais. Et il faut savoir que les gens qui font des formations Access Consciousness comme ça, ils sont répertoriés. On reçoit un certificat en tant que praticien. Donc, si vous voulez savoir si jamais c'est un vrai praticien ou pas, ben vous êtes en droit d'exiger le certificat de votre référencement. Certificat. Voilà. Ça se fait. Bien évidemment, on ne peut pas le faire à distance. Alors, l'Access Bar ne se fait pas à distance. Les gens, ils aimeraient bien, mais ça ne se fait pas à distance. Et c'est ma seule méthode où je ne travaille pas en musique. Parce que la musique crée des interférences. Alors, ça peut D'accord. paraître bizarre, puisque Reiki, c'est un soin holistique aussi. Mais en Reiki, on peut travailler avec de la musique. Ça ne pose aucun problème. Access Bar, non, pas de musique. Mais bon, ça dérange personne, puisque généralement, tout le monde dort sur la table. Hein. Il n'y a pas de souci, voilà. Et en fait, on a, je ne sais pas s'il existe des études là-dessus sur les zones qu'on touche, les points qu'on touche. Qu'est-ce que tu appelles études ? Les études, ben, en fait, le Douglas, là, qui a inventé ça. Ah, Gary Douglas, oui. Alors, c'est la cartologie qu'il a mis en place. Et donc, c'est parce que ça correspond scientifiquement à des zones de notre cerveau qui sont mis en relation. Alors, je pense, parce que moi, j'ai fait des recherches de mon côté et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Est-ce que ça partait d'une cartologie neuro, psychomotricien ou quoi que ce soit? Donc, Gary Douglas, il a créé, donc, il a mis en place cette cartologie parce que je pense qu'il y a des points, mais quand on regarde bien, il y a des points en énergie, dans d'autres domaines énergétiques que je ne connais pas, qui sont similaires. Donc, je pense qu'il est parti aussi de tout voilà. ça. D'accord. Et est-ce que maintenant que tu es praticienne, tu peux te le faire toi-même ? Je ne le fais pas. Non. Je ne le fais pas. Non. Tu crois que c'est possible ? Non. Non ? Non, je dirais non. Autant je peux me faire du Reiki sur moi. Parce que c'est aussi voilà. une question qui m'interpelle parce que quand je me suis formée au coaching et donc on a des protocoles à dérouler et on se posait la question, tiens, est-ce que je pourrais me faire mon propre coaching? Et non, c'est pas possible non plus. Non, c'est Il pas faut possible faire appel parce que à d'autres personnes. Quand on travaille, moi j'ai la personne qui est comme ça. Donc moi je suis vraiment derrière la tête, hein, d'accord? Et j'ai des positionnements de doigts qui sont vraiment précis. Alors, je ne sais pas si on voit. Non, mais j'ai du mal avec... la caméra. Voilà, hop, comme ça. Voilà, j'ai des doigts qui sont... Donc, si jamais je le fais sur moi, je ne suis pas forcément dans le bon sens. Puis alors, franchement, je pense que m'activer moi-même... Non, ce n'était pas une bonne question. Non, mais je ne le ferai pas. Par contre, faire du soin Reiki, oui, on peut tout à fait faire de l'autotraitement en Reiki. Soit sur du physique, soit sur de l'émotionnel. Il y a des techniques à mettre en place. Par exemple, un soin émotionnel, on vient mettre, je vous le raconte, hein, on vient mettre la main droite sur le foie et après, on vient passer, voilà, on intervient sur la tête, on intervient ici, on intervient sur le chakra, etc., etc. Donc, on peut tout à fait le faire. Bon. Comme le Douyin, on peut le faire sur soi. Oui. Un automassage. C'est un automassage, voilà. Donc ça, j'avais fait un article là-dessus aussi sur le blog. Et bon, on aime bien le Douyin en famille. Oui, c'était chouette. Ouais. Hein. On a vécu une belle expérience aussi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Qu'est-ce que tu entends par effets secondaires? Eh bien, en fait, il y a des techniques comme ça que j'ai testées. Tu vois, ça intervient sur tout le corps. Donc là, en plus, ça intervient sur des choses profondes. Oui. Donc, par exemple, j'ai fait de l'acupuncture en médecine chinoise. Mm-hmm. Et donc, il y a une période d'intégration. Donc, est-ce que pendant cette période-là, il peut se passer des choses ou on peut avoir d'autres effets qui se produisent? Tu veux dire de mal-être ou de choses comme ça ou, Non. Tu dis là, tu vois, elle sort de la séance, mais enfin, c'est beaucoup de femmes, mais je ne sais pas s'il y a peut-être des hommes aussi, hein, mais
Sort de la séance, les jambes lourdes, enfin le corps lourd, fatigué. Oui. Est-ce que par la suite aussi, enfin dans les jours qui Non. suivent, qu'est-ce qui se Non, passe? non, non, non. Ce qui se passe, alors, des effets secondaires, bien souvent, c'est sur ton toit. En fin de compte, ton toit, tu redeviens toi. Voilà. Et certaines fois, on est tellement bien dans notre nouveau soi qu'on ne se rend même pas compte du changement qui s'est opéré. Ouais. Tu Il vois? faut que quelqu'un d'autre nous le dise, Eh peut-être. bien oui. Moi, je me souviens, les toutes premières fois, on m'était rendu compte de rien. Je me suis dit, voilà que ça se barre, voilà. Et c'est mes proches, mes amis, qui m'ont dit, non mais Cathy, tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Non. Non, parce qu'il y a quelque temps, t'aurais jamais dit ça. Et oui, et après j'ai pris conscience du changement. Et c'était tellement bon que du coup j'en ai fait plusieurs séances parce que le fait d'alléger ce que moi j'appelle notre sac à dos, voilà, d'alléger le Ouais. fait de se sentir bien et mieux, se sentir soi-même ou ce qu'on a envie d'être. C'est tellement bon que du coup, voilà, moi j'ai laissé ça, les effets secondaires. Être nouveau, être un petit peu plus soi-même. Donc c'est beau quand même comme effet secondaire, hein? On Ouais, aime c'est bien, bien, hein? On c'est prend, un hein? effet secondaire recherché, Ah c'est enfin, ça, c'est ça. J'ai pas c'est pas un eu, effet secondaire non désiré. non, je n'ai eu personne, et pourtant je pratique beaucoup d'access bar, et alors en ce moment on me demande aussi beaucoup d'access bar, j'ai jamais eu où quelqu'un devenait plus déprimé que quand il est venu. Ah pas du tout. C'est Non, à chaque fois, l'inverse. c'est une jolie expérience, une nouvelle éclosion. Donc toi, tu le conseillerais à des gens qui sentent qu'ils ont des émotions qui les bloquent et qu'ils ne savent pas expliquer. Oui. D'accord. Ah oui. Dû certainement à des mémoires cellulaires ou en Ah tout oui. cas des choses qu'ils ont du mal C'est un très bel outil. à pouvoir faire émerger par la parole. Ah, c'est un très bel outil parce qu'en plus, c'est vrai, je travaille, je suis la caisse à outils, ce sont mes outils, mais c'est vous. La plus belle récompense parce que c'est vous que quand vous prenez conscience des choses, vous allez débloquer dans votre inconscient et vous ouvrez des jolies portes. Et à ce moment-là, vous vous faites le plus beau cadeau. Oui, j'adore. C'est C'est... ce qui se passe aussi en coaching et tu as l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais que la personne de la bande a fait le travail Elle a fait le et travail. que, en fait, finalement, elle se découvre. On est là Ouais. juste pour Elle guider, se nous. reconnecte Voilà. à elle-même. On est une guidance en fin de compte. On vient, toi tu débloques des choses par les mots, par la parole, hein, d'accord? Ou tu fais venir des choses bien précises, des points, ou tu verbalises, tu demandes à la personne de verbaliser. Moi je ne fais rien. En fin de compte, c'est tout inconsciemment où elle découvre, eh ben, elle découvre qu'il y avait des choses qui étaient enfouies, ou qu'elle n'a jamais vues, ou qu'elle n'accepte plus. J'ai beaucoup de cas, c'est beaucoup de non, je ne veux plus. Et elle les verbalise. Oui, après, Après, elle les verbalise. c'est de l'affirmation de soi et en fait, on prend Ah, complètement. conscience que Complètement. qu'on est quelqu'un. Ah oui. Voilà. Et de découvrir Ouais. que on a envie d'être comme ça. Et puis encore plus, encore plus, encore plus. Franchement, c'est la plus belle chose. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, hein, que ce soit avec Cesba ou Oui, bien avec sûr. Caroline. À partir du Et plein moment d'autres où vous techniques, avez ouais. envie de prendre votre vie en main, vous avez décidé d'acter sur des choses, ben la première personne à remercier, déjà, c'est vous. Après, nous, on suit. Mais voilà. Oui, après, c'est trouver la personne et c'est vrai que quelquefois, c'est juste la personne qui est sur notre route. On a l'impression de chercher et de ne pas savoir et puis quelqu'un se présente et puis on se dit, ben oui, en fait, finalement, c'est cette personne-là. Mais ce n'est pas par hasard. Mais non, c'est ça. C'est Le l'univers qui hasard, envoie c'est la ça, c'est personne. ça, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, il n'y a que des belles rencontres, ça c'est sûr. Et puis, alors, il y a une chose, c'est que si jamais ça ne se fait pas, ne poussez pas, ne cherchez C'est que pas. ça ne doit pas se C'est que faire. ça ne doit pas se faire. Voilà. Donc ça, je travaille beaucoup avec les personnes là-dessus qui disent, oui, mais non, en tout cas, moi je veux. Ah, oui, tu as le droit de vouloir. Mais si ça ne se fait pas tout de suite, il y a forcément une Oui, raison. c'est peut-être Donc, aussi parce qu'on a d'autres étapes à passer d'abord aussi. Il y a ah, peut-être des complètement. voilà, c'est pas forcément que c'est pas la bonne personne, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses à faire Voilà. d'abord.
Absolument. Est-ce que j'ai des questions? Parce que du coup, moi, j'ai fini d'interviewer Cathy. J'avais pas mal de questions, mais en fait, finalement, t'as tout dit. T'as été C'est super, vrai. super concise et donc, j'ai plus de questions. Alors, l'access bar, pour en revenir, vous savez, quand vous allez voir un kiné ou un ostéopathe, il est là pour débloquer tout ce qui est point énergétique, parce qu'il vient, parce que c'est coincé, mais c'est du physique. D'accord? Bah, l'access bar, imaginez que quand vous allez avoir un praticien access bar, bah, vous allez voir un thérapeute ou un kiné, voilà, émotionnel. Ça, c'est, j'aime bien dire ça. Mais tu souffres moins. C'est Parce que des ça. fois, chez le kiné, tu souffres hein, quand Oui, même. mais là, tu souffres Il te fait pas, là. travailler, Ouais. ça fait Non, là, mal. tu souffres pas, là. Là, c'est du bonheur à chaque fois, donc tu souffres pas. non, mais ça donne envie. Je vais revenir. Ouais, avec plaisir, avec Bon. plaisir. Oui, t'as pas connu ça, t'as pas Non, testé encore. j'ai pas testé l'access bar, j'ai pas Ah, il testé. va Ouais, falloir. faudra que je teste. Maintenant, tu sais comment vérifier que la praticienne, le praticien. Voilà, mais En général, après. ce sont des gens qui se sont formés parce que tu ne peux pas te former tout seul quand même là-dessus. Non, parce que Enfin, non, c'est tu dois difficile quand savoir quand même. même. Bah Il y a oui, des points, et puis sur certains, par exemple, vous voyez les trois premiers là, sur lesquels j'interviens au début de la séance, c'est les points d'implantation. Donc là, on est beaucoup plus longtemps sur ces points-là parce que c'est vous dans votre état en entier. Avec vous ici maintenant, vous avec vos vies antérieures, vous avec vos mémoires cellulaires, vous avec les schémas qu'on vous a bien, hein, tamponnés, Oui, etc., mais des etc. schémas qui nous ont construits aussi. Ah, mais absolument, Ouais. absolument. Donc voilà, après, il y a des points où je reste un petit peu plus longtemps ou un peu moins longtemps, parce que si jamais ça bouge beaucoup, bah, c'est que Il y a il du se passe boulot. des choses. Voilà, non, c'est parce qu'il se passe des choses. Où vous êtes en train de conscientiser des choses, où l'énergie passe parce que ça vibre. Voilà. Ok, bien. Bon, eh bien, merci, merci Marie, Merci. merci à vous d'avoir participé et puis d'avoir voilà, posé des Voilà. questions. Merci à Cathy Merci, merci, d'avoir merci d'avoir pris du répondu. temps sur votre temps pour assister à cette séance, à ce live. Donc, merci beaucoup. Bye. Voilà. Belle journée.